Salut, cher entrepreneur, je suis Lambert Kouassi. Je suppose que tu es aussi un entrepreneur. Je suis un entrepreneur qui a commencé IM Academy. Et en une semaine, je suis à 1000 dollars par mois. C'est-à-dire que je gagne 1000 dollars par mois. 1000 dollars en une semaine, n'importe quel être humain peut le faire. Peut arriver à se rendre de 1000 dollars par mois en une semaine. Je dis bien une semaine. Je suis arrivé au rang de où je perçois 1000 dollars par semaine. Je n'ai pas dit en un mois, je dis en une semaine. Alors, je réponds ici à une préoccupation. La préoccupation est telle que des gens se demandent, est-ce que eux ils pourront payer leur mensualité pour pouvoir développer des affaires ici? En tant qu'entrepreneur, quand vous devez rentrer dans une affaire, vous devez d'abord la comprendre. Une fois que vous l'avez comprise, vous allez vous demander, mais comment vais-je faire pour me faire de l'argent? Vous ne pouvez pas vous faire de l'argent sans dépenser de l'argent. Je reprends. Vous ne pouvez pas vous faire de l'argent sans dépenser de l'argent. Si vous êtes un entrepreneur, vous allez monter un bureau. Le bureau, là, vous allez payer le bureau par mois. Vous allez payer le bureau par mois. Même quand vous démarrez vos activités, vous allez payer le bureau. Le propriétaire du local ne va pas vous dire, bon, comme monsieur, vous venez à peine de commencer, le mois est fini, ne payez pas de loyer. Deuxième chose, vous allez payer vos salariés. C'est pour ça qu'on parle de fonds de roulement. Vous devrez avoir un fonds de roulement pour commencer votre business. Pour que, en attendant que le business porte fruit, vous devrez dépenser certaines sommes. Mais à un moment, vous n'allez plus dépenser de l'argent de votre poche pour payer vos mensualités, vos frais de loyer, électricité, salaire, etc., etc. Ici, ce business dans lequel vous êtes, qu'on appelle IM Academy, vous n'allez pas enlever l'argent de votre poche pour venir payer encore de l'argent ici. Je répète, vous n'allez pas enlever de l'argent de votre poche pour venir payer de l'argent ici. La seule chose qui va vous intéresser, comment vais-je faire pour me faire de l'argent par mois? De sorte que je puisse payer ma mensualité sans problème. Ou bien, comment vais-je faire pour me faire de l'argent pour que je puisse payer mon loyer sans problème? Puisque sans le loyer, vous ne pouvez pas exercer votre activité. Donc, vous allez vous demander comment vais-je faire pour avoir cet argent qui est là. On me dit que je peux avoir tel montant par mois. On me dit que moi, je peux avoir, je lis vers le bas la colonne de gauche. En tant que platinium, on me dit que moi, Kouassi Lambert, je peux avoir 150 dollars par mois. Ça, c'est le début, la première semaine déjà. J'ai déjà dépassé ça. En 3 jours, j'ai déjà dépassé ça. On me dit que moi, Kouassi Lambert peut avoir 600 dollars par mois. En 3 jours, j'ai déjà eu dépassé 600 dollars par mois. On me dit que monsieur Kouassi, tu peux avoir 1000 dollars par mois. En une semaine, j'ai atteint le niveau de 1000 dollars par mois. Et pendant que je vous parle, je suis en train de viser comment avoir 2000 dollars par mois. Déjà, si moi je peux avoir 2000 dollars par mois, Platinum 5000, 5000 dollars par mois, Kerman 10, 10 000 dollars par mois, Kerman 25, 25 000 dollars par mois, Kerman 50, 50 000 dollars par mois, Kerman 100, 100 000 dollars par mois, Kerman 250, 250 000 dollars par mois, Kerman 500, 500 000 dollars par mois, que je sais que je peux avoir cet argent par mois, en tant qu'entrepreneur, la question que je me poserai, que dois-je faire pour avoir ces montants-là? Et on me dit, monsieur Kouassi, pour devenir Kerman 150, il faut que tu parraines 3 personnes. Je dis seulement, on me dit oui. Je parraine 3 personnes et on me paye 37,5 dollars par semaine. Et comme je sais que c'est une affaire où la duplication est importante, je vais aider mes 3 personnes à trouver leurs 3 pour que je quitte le lot des Platinum 150 pour passer à Platinum 600. Pour que j'aie 12 personnes. C'est ce que Lambert Kouassi a fait. J'ai aidé mes 3, ils ont trouvé leurs 3. Je suis à Platinum 600. Je leur ai dit aussi, vous aussi, faites la même chose. Entrez vos 3 et aidez vos 3 à trouver leurs 3. Quand je leur ai dit cela, qu'ils ont commencé à appliquer, d'autres sont devenus maintenant, moi je suis passé à Platinum 1000. J'ai dit encore de continuer. Chacun doit faire la même chose. Je rentre 3 avec 3 personnes, j'aide mes 3 personnes. Voilà qu'aujourd'hui, je m'en vais vers Platinum 2000. Il me reste quelques personnes seulement. Platinum 2000, il faut combien de personnes? Platinum 2000, c'est juste 75 personnes dans votre équipe. 75 personnes dans votre équipe. Et je vous montre déjà dans mon équipe déjà que moi, je suis à 2 doigts de Platinum 2000. En moins d'un mois, en moins de 2 semaines. Maintenant, je vais parler aux entrepreneurs. Si on vous donne l'occasion de vous faire de l'argent et que vous gagnez, vous faites tout pour avoir cet argent, est-ce que la mensualité serait un problème pour vous? Est-ce que si vous gagnez l'argent dans un local, dans un loyer que vous payez, dans un local que vous payez, dans un bureau que vous payez, est-ce que vous aurez du mal à payer votre loyer?
Pour que vous ayez du mal à payer votre loyer, c'est que vous ne faites pas ce qu'il faut faire pour créer des richesses dans ce local-là. Je considère que ça, c'est un local que vous avez. Et vous vous demandez, comment vous allez faire pour payer? Oui, il y a entretien mensuel. Oui, il y a mensualité. Mais la mensualité, c'est pour les gagnants. La mensualité, c'est pour ceux qui veulent réussir leur vie. C'est pour ceux qui ont compris que dans cette vie, il n'y a rien sans rien. Tu ne peux pas te faire de l'argent sans dépenser de l'argent. Et ici, tu maintiens juste un seul montant. C'est-à-dire, même si tu gagnes des millions, le montant que tu payes là, c'est ce qu'il y a devant vous actuellement. Regardez ici, à droite, les montants à droite, là-bas, le premier montant en haut, tu es déjà adhéré. Chaque mois, tu vas payer 175 dollars américains plus 16,71 dollars. On appelle ça membership fee. Dans tous les systèmes américains, il y a ce membership fees, les frais de membership. Ça leur permet de payer les impôts, toi-même aussi, tu dois contribuer au paiement des impôts, tout ça. Et les 175 plus les 16,71, quand tu calcules en franc CFA, ça va te faire la somme de 125 000 francs CFA. Donc, celui qui gagne des millions que je viens de citer ici, là, que tu ne peux pas payer, si tu gagnes des millions, tu gagnes 600 000 francs, 600 dollars par mois, tu gagnes 1000 dollars par mois qui fait 600 000 francs, tu gagnes 2000 dollars par mois qui fait 1 200 000, tu gagnes 5000 dollars par mois qui fait combien? Qui fait 3 millions, et tu gagnes bien 10 000 dollars par mois qui font 30 millions de francs CFA. Si une personne ne peut pas payer cet entretien-là, c'est que cette personne n'est pas chaude. Maintenant, vous allez me demander, M. Kouassi, comment au tout début, je vais faire pour payer ça? Ça, c'est une très bonne question. Au tout début, voilà pourquoi nous demandons de respecter la charte, notre fonctionnement. La première chose que tu fais quand tu rentres dans ce business, dans la première semaine, arrange-toi pour trouver les trois personnes. Tu me diras, M. Kouassi, ce n'est pas possible. Donc si ce n'est pas possible, ne faites pas IM Academy. IM Academy, ce n'est pas pour ceux qui ne peuvent pas trouver trois personnes. Donc, tous ceux qui vont rentrer dans ce business, tu dois savoir d'avance que tu es capable de trouver trois personnes avant d'y entrer. Sinon, ne rentre pas. Et puis, ce n'est pas tout. Non seulement tu as trouvé les trois personnes, mais tu dois les encadrer, les aider à trouver leurs trois personnes. Si encore tu ne peux pas aider tes trois à trouver leurs trois, c'est-à-dire les encadrer, ça ne veut pas dire formellement, je vais leur donner des fioles. Non, on n'a pas de leur donner des fioles. Mais tu dois les aider à ce qu'eux puissent bien expliquer à leurs abonnés pour que leurs abonnés puissent payer. Je n'oublie pas, c'est une entreprise de service. C'est comme si ton fournisseur d'accès Internet te dit, si tu me trouves des clients qui payent leur abonnement mensuel pour bénéficier de mon service, moi, je te paye des mensualités. Je te paye, des gains hebdomadaires et mensuels. C'est la même chose ici. Tous ceux qui sont dans votre équipe sont des abonnés. Tant qu'ils jouissent d'un service de IM Academy, qui est d'apprendre, de faire le trading pour se faire de l'argent, tu gagnes de l'argent. Ça veut dire que toi, en tant qu'entrepreneur, tu te fais de l'argent ici à deux niveaux. Le trading seulement peut te faire de l'argent. Et donc, le trading seulement peut te faire de l'argent. Donc, des gens qui entrent, il y en a trois groupes. Il y a ceux qui rentrent. Il y a des gens qui rentrent, font leur trading, ce sont des customers. Ils font leur trading, ce sont des customers. Et ces gens-là, pour avoir trouvé deux clients qui font la spéculation comme eux, alors eux ne payent rien par mois. Mais ceux-là ne sont pas des IBO. C'est-à-dire, ils ne sont pas des gens qui sont devenus des independent business owners. N'étant pas des IBO, eux ne reçoivent pas le montant que vous recevez ici par semaine qui est ici. 37,5 dollars par semaine, 150 dollars par semaine, 250 dollars par semaine, 500 dollars par semaine, 1250 dollars par semaine, 2500 dollars par semaine, 6250 dollars par semaine, 12500 dollars par semaine, il y a 4 semaines dans le mois, 25000 dollars par semaine, il y a 4 semaines dans le mois, 62500 dollars par semaine, 125000 dollars par semaine. Dans un monde où un business se veut non ponzi, il faut que quelque chose soit payé pour qu'on vous paye des rémunérations. Cette compagnie dit, j'ai des abonnés. Si tu m'aides à trouver des abonnés et que ces abonnés, parce qu'ils bénéficient d'un service dans mon business, payent leur mensualité, toi, je te paye. S'ils ne payent pas, toi, je ne te paye pas. Donc, toi qui es entrepreneur, tu as des clients qui sont abonnés à un service.
Comment tu vas t'arranger pour que ces gens-là payent leur mensualité? C'est ce que tu dois faire. C'est ça, IM Academy. Maintenant, le premier mois, le mois le plus important. C'est-à-dire, dès que tu as dépassé Platinum 150 à Platinum 600, tu n'as pas de problème pour payer, tu as $600 par mois, soit 300 000 francs CFA. Si tu as 300 000 francs CFA par mois, alors que les frais mensuels pour chaque pack est de 125 000 francs CFA pour les Platinum et 190 000 francs CFA pour les élites, tu n'as pas de problème à payer ça. Donc, les frais que tu devrais retenir, c'est 125 000 francs CFA par mois pour ceux qui sont Platinum et la somme de 190 000 francs pour les élites. Et pour ça, tu dois travailler pour arriver à un stade où tu n'as aucun problème pour payer ta mensualité. C'est pour ça que si tu ne peux pas trouver trois personnes, ne rentre pas dans cette affaire. Si tu ne peux pas aider tes trois personnes à trouver leurs trois, ne rentre pas dans cette affaire. La seule chose qu'on te demande trois choses ici pour te faire de l'argent. La première, il faut comprendre d'abord. La deuxième, il faut arriver à parrainer trois personnes. Si tu sais que tu ne peux pas, ce n'est pas la peine de rentrer dans IM Academy. La troisième, il faut aider tes trois à trouver leurs trois personnes. Et d'ailleurs, il y a un quatrième point de notre fonctionnement. Il faut enseigner ces quatre méthodes de travail à tes gens et il faut payer toi-même ta mensualité. Parce que toi-même, tu es client de quelqu'un aussi. Et quand vous faites ça, vous gagnez non seulement de l'argent ici, mais vous gagnez de l'argent en tant que personne qui est en train de spéculer. Le premier mois, quelqu'un me dira, mais comment j'ai fait pour payer ma première mensualité qui est de 125 000 francs CFA? On va démontrer ensemble. Regardez ici. Vous avez, tant que vous parrainez des gens qui rentrent en tant que des Platinum, durant toute votre vie, vous gagnez $25 par personne. 25 fois 3, ça veut dire $75. 25 fois 3, ça veut dire $75. Bien, on est en train de voir comment le premier mois vous pouvez payer votre première mensualité qui est de $175 plus $16.11 qui font en français par la somme de 125 000 francs CFA. Donc, tu as $75 déjà parce que tu as obéi, tu as trouvé tes trois personnes. OK? Bien. À gauche ici, regardez, tu as trois personnes référées toi-même personnellement. La compagnie dit, chaque fois que tu as eu ça, tu as $35 par semaine. Par semaine fois 4 semaines, ça fait quoi? Par exemple, tu as trouvé 3 personnes, on te paye par semaine maintenant. Non seulement tu as eu la commission de parrainage, mais parce que tu es qualifié pour 3 personnes, en tant que Platinum 150, tu touches $37.5 par semaine. Fois 4, ça fait 150. Donc, on fait plus 150. Ça fait $225. $225, tu dois dépenser dans ça quelle somme d'argent? Tu dois dépenser la somme suivante. Tu dois payer. Tu vas faire moins $175 moins 16,71 dollars. Il va te rester combien? Il va te rester $33. Donc, le premier mois, qui est le mois le plus difficile dans lequel on te demande d'être rigoureux envers toi-même, tu as payé ta mensualité. Il te reste $33 de marge. Bien. Donc, tu n'as pas enlevé l'argent de ta poche. C'est le système qui t'a financé. Maintenant, on te dit, quand tu auras trouvé tes trois personnes, il faut aider tes trois à trouver leurs trois. En faisant 3 fois 3, 9. Les 9 plus tes 3, ça fait 12 personnes. 12 personnes dans ton équipe, ça t'amène au niveau où tu gagnes Platinum 600, où tu gagnes $600 par mois. $600 par mois, c'est combien? En franc CFA, ça fait 300 000 francs CFA. 300 000 francs, revenons sur le tableau ici. 300 000 francs CFA par mois, peu importe que tu sois élite ou platinum, tu n'as pas de problème au payer. Même le premier cas qu'on a fait, peu importe élite ou platinum, tu n'as pas de problème au payer. Ben, si c'était des élites que tu parrainais, tu allais prendre $50 par mois, par personne en termes de commission de parrainage. Multiplié par 3, ça fait $150. Plus les 150, ça fait $300. $300 alors que tu payes combien? $275. Dans la mensualité, plus les $16, ça fait déjà $300. Tu n'as pas de problème pour payer ça. Donc, peu importe que ce soit le premier mois, que tu sois élite, tu n'as pas de problème pour payer. Que ce soit platinum, tu n'as pas de problème de payer ta mensualité. Maintenant, il est question maintenant de passer au mois suivant. Le mois suivant, en tant que platinum 600, tu touches $600 par mois,
soit 300 000 francs CFA. Et revenons maintenant à tes frais mensuels. Frais mensuels, tu payes en tant que Platinum frais mensuel, entretien, tu payes 125 000. Donc, 300 000 moins 125 000, il te reste 175 000 francs CFA. Donc, tu es Platinum, déjà à ce niveau, tu as payé ta mensualité, ton entretien, et tu gagnes 175 000 francs CFA. On prend le cas d'un élite. Un élite, il paye 190 000 francs. Donc, 300 000 moins 190 000, il te reste 110 000 francs encore. Donc, en ce moment-là, tu gagnes combien? Tu gagnes 600 dollars par mois et tu as ça. Et tu continues ton travail. Tu as dit aux gens de se dupliquer. 3-3-3. Ça va t'emmener au Platinum 1000. Platinum 1000, tu gagnes combien? 1000 dollars par mois, soit 600 000 francs CFA par mois. 600 000 francs CFA par mois, quels sont tes frais? Tes frais sont les suivants. En tant que Platinum, tu dépenses 125 000 francs CFA par mois. Donc, moins 125 000, il te reste 475 000 francs CFA que tu économises. Vous voyez que l'argent commence à monter. Premièrement, on n'avait eu que 33 dollars seulement qu'on a économisé. Secondo, quand on est passé à Platinum 600, on a eu à dépenser, à garder au moins plus de 100 000 francs CFA. Maintenant, on est à Platinum 1000, on garde 475 000 francs CFA en tant que Platinum. Et en tant qu'élite, on a 600 000 francs, 600 000 francs moins 190 000 francs par mois, on économise 410 000 francs CFA. À partir de ce moment-là, ton affaire est sur les rails et tu n'as pas de problème à faire les paiements. Parce que si tu touches Platinum 2000 dollars par mois, 1 200 000, que tu ne peux pas payer ta mensualité de 125 000 ou de 190 000, c'est que toi, tu n'es pas un entrepreneur. C'était Lambert Kouassi. C'était pour démontrer que tous ceux qui sont venus ici pour réussir leur vie, ici à IM Academy, la solution est là. Mais ça n'a pas été créé pour ceux qui sont dans le laxisme, ceux qui sont dans la paresse. Ce bien a été créé pour les gens qui veulent faire un tout petit effort. On ne vous demande pas de parrainer 20 personnes comme dans certains réseaux, 15 personnes dans certains réseaux. Et puis les montants sont des petits montants. 167 000 francs pour entrer ou 227 000 francs pour entrer. Ce n'est pas les montants de 500 000, de 600 000, de 2 millions. Non. Et on te dit que chaque mois, tu peux te faire beaucoup d'argent. Chaque mois, tu peux te faire beaucoup d'argent. Tous ceux qui sont des hommes ambitieux, des femmes ambitieuses, elles peuvent s'en sortir. Il n'y a que ceux qui sont là pour travailler comme s'ils sont dans une entreprise de ONG qui ne vont pas s'en sortir. En tout cas, moi, dans mon équipe, si tu ne peux pas comprendre, ne rentre pas. Si tu ne peux pas trouver 3 personnes, ne rentre pas. Et si tu ne peux pas aider les 3 personnes à trouver 3, ne rentre pas. Si tu ne peux pas enseigner ça à tes membres, ce n'est pas la peine de rentrer dans ce groupe, dans ce business. C'était Lambert Kouassi. Ciao, ciao.